crois qu'on se trouve devant un métasystème, devant un système, si vous voulez, qui est capable d'engendrer quelque chose qui ressemble à un navire spatial au XXe siècle, quelque chose qui ressemblait à un dirigeable au XIXe siècle, qui était capable d'engendrer les vaisseaux aériens dont parle Saint Agobard au IXe siècle, et peut-être la vision d'Ézéchiel. Et qui sait, le même phénomène, le même système peut être responsable de ce qu'on a interprété comme des miracles qui sont passés dans la tradition religieuse. Le miracle de Fatima est particulièrement frappant à cet égard, et aussi les miracles qui ont donné naissance à la religion mormone avec la vision de Joseph Smith. Je crois pouvoir démontrer devant mes collègues scientifiques que le phénomène OVNI est un phénomène physique, réel, une interaction avec l'environnement, qui est inexplicable par les théories prosaïques, par les théories classiques. Ma conviction personnelle, que je ne peux pas nécessairement prouver devant la Sorbonne, c'est qu'en plus de ce niveau physique de ce phénomène, et qu'il existe une dimension spirituelle, que le phénomène est contrôlé par une forme de conscience, probablement une conscience non humaine.